C'est qui le meilleur joueur du monde entre les deux? Vous le savez l'équipe, j'adore vous faire des débats et honnêtement j'ai du mal à choisir. Les deux sont décisifs dans les grands rendez-vous, les deux sont meurtriers en 1 contre 1, les deux sont des leaders offensifs, les deux sont des leaders. C'est très difficile de faire un choix, les deux portent en plus le Real et le Barça, deux des plus grandes équipes du monde. Et d'ailleurs c'est très agréable à l'aube d'un nouveau classico de voir ces deux équipes revenir au top. D'ailleurs le Real est un peu plus en difficulté que le Barça sur ce début de saison et ça va peut-être rééquilibrer les débats pour ce classico. Je pencherai pour Vinicius qui a quand même des accomplissements en Ligue des Champions cette saison que n'a pas forcément Yamal en termes de but, hein, parce que Yamal dans le jeu c'est exceptionnel et il a quand même scoré. De plus il y a aussi l'âge, ils n'ont pas du tout le même âge, Yamal il est d'une précocité impressionnante. Mais Vinicius pour moi est encore un peu plus accompli. Ce qui est d'ailleurs, on va dire un point positif pour Yamal, c'est que le mec peut encore progresser. C'est ça qui est fou. Vous savez quoi les gars, je vais pas trop mouiller en vrai de vrai, je vais vous laisser choisir qui pour vous est le meilleur joueur du monde entre Vinicius et Lamine Yamal. Faut d'ailleurs être honnête, Vinicius s'est remis la tête à l'endroit, notamment contre Dortmund, mais en ce début de saison, c'était pas top. Je pense que Yamal, sur la globalité de la saison, lui met une vitesse, mais intrinsèquement, il faut choisir, il faut faire un choix. Je vous laisse le dire en commentaire.